ce matin à l'aéroport international d'Alger, en provenance d'Angola, où elle a participé à la phase finale de la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs, le staff technique et les dirigeants ont été accueillis par le Premier ministre Ahmedou Yahia, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, lors des niaises et cérémonies, le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l'étranger, Jamal Oud Abbès, et les familles des joueurs de l'équipe nationale étaient également présents à l'accueil de la délégation algérienne. La sélection algérienne de football s'est justement classée à la 4e place en Coupe d'Afrique des Nations à l'issue de sa défaite 1-0 en match de classement hier à Benguela face au Nigeria. Le 11 algérien termine cette expédition angolaise dans le carré des meilleures équipes africaines du continent, ce qui est en soi une performance digne d'être relevée et que les plus optimistes ne prédisaient au football national il y a à peine une année. Félicitations donc au Vert.